Nous sommes en Italie en 80. Pour se distraire, les habitants de Rome vont au cirque. C'est un grand bâtiment à ciel ouvert avec des gradins et une piste centrale. Les Romains y assistent 5 à 6 fois par an à des courses de chars, des joutes sportives, des combats de gladiateurs et même des joutes nautiques, l'arène étant inondée pour l'occasion. Toujours dangereux, ces jeux occasionnent de nombreux morts dans l'arène, conducteurs écrasés par leur attelage, gladiateurs vaincus. Ça pimente le spectacle. Mais ce sont aussi quantité d'animaux qui sont massacrés pour le plaisir du public qui peut parier sur le résultat des combats. Quantité de variations sont inventées, ours contre rhinocéros, panthère contre lion, hippopotame, aurochs, éléphants, crocodiles, chiens, sangliers, et même quelques condamnés qui sont envoyés se faire mettre en pièces au milieu de tout ça. En moins 55, pour une inauguration, Pompée envoie 410 panthères et 600 lions s'égorger en une seule fois. Des super massacres sont organisés quand il y a des événements spéciaux. Pour l'inauguration du Colisée, le cirque de Rome en 80, 9000 animaux sauvages importés pour l'occasion sont joyeusement assassinés pour le plaisir du public. 27 ans plus tard, ce sont 11 000 bêtes qui sont les victimes divertissantes de 123 jours de joyeuse tuerie. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité.